Hadramaut est unique dans le monde. C'est ce paradis qui donne sur la mer, par son rivage étendu à travers le festival de Gaïti embelli d'un blanc glorieux, et qui se flatte sur les rives de la vallée plantée de palmiers. Comme une sirène immortelle, il captive tous les esprits et les cœurs par son charme légendaire. En ce qu'Hadramaut, comme une brise de rosée qui souffle sur les fenêtres de maison, une fragrance de l'encens ébaumant à travers le temps et un appel à la prière lancé du minaret aux univers de Dieu. Sa terre est l'origine de l'encens, de gomme, des prophètes, des saints et des poètes. Il est immuno comme un palmier, magnifique comme un palais, il vit comme un gratte-ciel et adorable comme une bouteille de miel. Il se répartit en deux merveilles, Hadramaut de la vallée et Hadramaut de rivage. À Hadramaut de la vallée, le climat est varié et la civilisation de la bouche aux racines. Le fils de la vallée d'Hadramaut était le maître qui a créé un art architectural brillant pour les lieux du culte et les domiciles. Les maisons de la vallée sont soit sous la forme des beaux châteaux, soit sous la forme des gratte-ciels très élevés. Ces mosquées avec leurs minarets et leurs flèches de monothéisme et de prière constituent des œuvres d'art qui sont magnifiques par leur décor en argile. La diversité des couleurs et la forme carrée qui est considérée comme une particularité hadramite par laquelle ces mosquées sont distinguées et fameuses. Sayoun est le chef-lieu de la vallée, un oasis engorgé de palmiers et des maisons accueillantes, gratifiées d'une architecture articulée horizontalement et verticalement. Dans un tableau architectonique fabuleux, ces villes sont antiques et cultivées. Ces maisons sont bâties en bois et rameaux des palmiers et caractérisées par la majesté et la simplicité. Les châteaux de Tarim sont entourés par des jardins vastes et épais, tandis que Shibam est considéré comme le Manhattan du désert. Moukalla, la turquoise de rivage et la perle de la mer d'Oman, est le chef-lieu d'Hadramaut. Aujourd'hui, la ville est radieuse et vêtue de ses ornements les plus beaux. Il est distingué par son type d'architecture caractérisé par la splendeur du séminaire et ses bâtiments blancs élevés en quatre étages et surplombant sur la côte de la mer, puis rampant progressivement sur la montagne connue de Karrat al-Moukalla qui se dresse derrière la ville. La nature a doté la ville avec des plages en sable d'eau à la couleur d'argent, qui sont côtoyées des jardins et d'un positionnement ravissant y tombe sur une région plate entre la mer et la montagne.